Il y a Barton de Kupe. Vous avez une très belle impression de la Première, Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on vient de visiter, c'est la deuxième fois, la Tour de l'Isère. On voit ici, si le temps est bon, on peut voir la mer. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Tu peux voir normalement Stormes, Bruges, dans la Tour de Bruges, Lissewege également. C'est la deuxième fois qu'on est venu et on est retourné parce que le musée est rénové. C'est un film animé sur l'histoire et sur les différentes positions avec les alliés et les autres, tout ça. C'est dans une manière éducative, mais aussi très créative. Et quoi bien, pour lui, il a 11 ans. À la fin de notre voyage, nous sommes ici parce que mon grand-père était ici pendant la Première Guerre mondiale. C'est pour ça. Nous sommes des Flamands, des vrais Flamands. Et pendant la Première Guerre, il y a été tous les officiers et les sous-officiers parlaient français. Les Flamands en part comprennent le français. Et comme ça, il y en a passé des drames. Et il y a protestation des Flamands contre les bourgeoisies françaises. On dit toujours pourquoi juillet, il y a une grande manifestation ici pour les Flamands. La tour est construite c'est un grand symbole, en premier pour le pacifisme et en deuxième pour la lutte flamande. Oui, parce que contre l'injustice.